Disclaimer! Sclameur! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Moi, je préfère consommer avec excès, mais bon, c'est comme vous voulez, hein. C'est qui, excès? Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour... Ah bah dis donc, je vous attendais pas, vous êtes arrivés bien vite, là. Vous ici? Oui. Oh bah... Trop bizarre, quoi. Bah écoutez, ça va... Franchement, hein, hier... Bah oui, on a passé. Avez-vous bien dormi? Je l'espère. C'est important de bien dormir. Le sommeil est quelque chose de très important, c'est pour ça que je ne dors que 4 heures par nuit. Exactement, c'est pour savourer quand tu fais vraiment des vraies nuits. C'est ça, c'est après tu es là genre, oh, tu te réveilles, t'es juste mort. Ouais, du coup ça ne sert à rien de dormir presque. Exactement, et en parlant de mort, c'est dit on continue. Oh, quelle transition incroyable. Allez, cette fois c'est moi qui suis aux manettes et c'est parti, le niveau de... Merde, c'est qui, c'est Bombman? Ouais, Bombman. Allez, Bombman, je vais le bomber. Ah t'as les bombés qui croyaient bomber. Ah, bombé. Bomber la ville. Allez, bam. Bim, bam, boum. Non, je préfère Pondichéry. Ah, j'aime bien ce mot, ce nom. Ouais, c'est joli. Alors là, donc, De ce que j'ai suivi, je t'ai observé, mine de rien, tout en racontant mes conneries, je t'ai observé. Tu m'as absorbé. Plus de là. Voilà, je suis. T'es un peu comme Boo. Boo. Dans Dragon Ball. Ah, et moi, Dragon Ball, tu sais, je suis passée à côté, hein, mon petit. Oh non! Je pense que j'étais trop jeune. Bah tu sais, en 2 ans, toi, t'es 2 ans de plus vieux que moi. Ouais, peut-être moyen que je sois passée à côté. Hein. Bah, pas forcément, parce que moi, j'ai découvert sur. J'ai pas découvert sur Club Dorothée comme tout le monde. Ouais. Mais j'ai découvert sur MCM plutôt. Ah, mais ouais, mais moi, je regardais plus, pas. J'étais un peu plus âgé. Ouais, moi, en fait, ça me saoulait un peu. Mais après, c'est vrai que les épisodes étaient quand même ultra longs. T'as cette espèce de running gag de oh, Namek va être détruite dans 15 minutes. Ok. Ah, tu vois ? Ouais, j'ai un dit. Oh, Namek va être détruite dans 5 minutes et 10 épisodes plus tard, voilà. Oh là là, dans 2 minutes. T'es là, ouais, putain, t'as passé 2 minutes, toi. C'est pour ça que ça me faisait chier. Je voulais des trucs qui avancent un peu plus vite, quoi. Mais après, faut lire les mangas. Si tu veux que ça aille plus vite, là, pour le coup. Ouais, clairement. Bon, arrêtez de me gangbanger, les gars, s'il vous plaît. Merci. En fait, il suffisait de demander, c'est pratique, ça. J'aime pas ça. J'aime pas me faire gangbanger sans... Oh, flûte. Ah bah voilà, ah bah voilà. Sans consentement. Oui, le consentement, c'est important, les enfants. Consentement, c'est la vie. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, je sais plus. Tu sais plus ce que tu voulais dire? Ouais. Du coup, on va être obligé de faire une chanson. T'as trouvé un truc ou faut que je continue de chanter? Je sais plus. Mais toi, raconte un truc, là. Ah oui, alors, fameux truc. Parce que moi, je raconte mes trucs sur In The Panda, tout ça, je raconte mes dernières découvertes. Oui, alors, un truc. Mais bien sûr que j'ai un truc à raconter. Vas-y. Tu sais, le... Est-ce que t'as vu un film ou une série récemment, Lola, un truc que tu pourrais soit conseiller, soit... Oui, alors, le truc qui fait débat, j'ai été voir Rogue One il y a pas longtemps. Et les gens, ils étaient tous genre, bon, pas terrible. Moi je suis sortie à la fin, j'étais genre, oh, j'ai passé un trop gros moment, c'était trop génial. Chut. Moi, j'ai trop aimé. Alors je sais que je suis bon public, hein, mais j'ai aimé, j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que la scène de fin était merveilleuse. D'ailleurs, Carrie Fisher et Penny Peace. Oh putain, quand... j'ai pleuré. Ah mais pareil. Je l'ai vu, j'ai fondu en larmes. Et surtout quand même, c'est dingue que sa mère soit morte le lendemain, quoi. Tu sais ce que j'ai appris? Ouais. Ça existe, mais c'est médical. La maladie du cœur brisé? Oui. Ouais. On a tous eu Dr House. Ah, alors moi c'est pas dans Doctor House que j'ai appris, pardon, c'est juste que je fais des recherches des fois, je m'ennuie, voilà, la maladie du cœur brisé, ça c'est. Et donc ouais, bah ça m'étonne pas. Ah, c'était trop triste. Mais sinon, le film, j'ai trouvé ça trop chouette. Je sais que les gens ont dit, ouais, les persos ils sont pas charismatiques et tout. Mais en fait, moi tout le long ça m'a pas gêné parce que j'étais en mode, mais la mission est tellement lourde, tellement grave, c'est tellement essentiel. Bon, non plus j'aurais pas le temps d'être charismatique, hein. Je serais là genre personnage fonction, je fais mon truc et basta, tu vois. Bah, moi, l'une des critiques que j'ai vues et que j'ai trouvé assez juste en fait quand j'ai vu le film, c'est celle de. Alors, je crois que c'est Benzaï qui avait dit ça. Ouais. Dans une de ses chronocritiques, justement sur. Je crois que je l'ai vu, mais je me rappelle plus trop ce qu'il a dit dedans. Bah, en gros, il a un truc qui m'a marqué, c'est que pour le coup, Forest Whitaker, il a l'air d'avoir été dans un film qui est beaucoup plus intéressant que Rogue One. Ouais. Non, mais en fait, c'est effectivement ça le. J'aurais aimé voir le moment où Saw Gerrera et Jean, je crois que c'est comme ça s'appelle la personnage principale, hein, en souvenant genre. Lynn. Jean, je crois. Ouais. J'aurais aimé les voir ensemble, genre. J'aurais aimé voir comment elle a grandi, plutôt que sa des relation. Trucs qu'on connaissait un petit peu déjà. Tiens, ne serait-ce qu'un petit montage sur sa relation avec Gerrera, pour voir un petit peu comment... Voilà, on va pas trop spoiler, mais bon, ouais. J'aurais préféré voir ça...
Parce que là, t'avais l'impression qu'il s'était passé des trucs de ouf, mais hors champ, ce qui est quand même con. C'est ça, tu vois. Mais le reste, j'ai quand même... Oula, putain, t'as eu du... Ouh, là, de la moulasse, comme on appelle ça en Bretagne. Non. Nulle part, en fait. Nulle part. Mais sinon, à part ça, après, je sais pas, mais moi, j'ai trop kiffé ce que j'ai regardé, j'ai trouvé ça... Enfin, je sais pas, j'étais emportée par le truc. Après, il faut dire que je suis pas une grosse fan de Star Wars, tu vois. Ah. Et tous les gens étaient en mode... ouais, en gros, c'est le texte défilant avant l'épisode 4. Ce qui s'est passé. C'est ça, hein. Oui, parce et comme qu'en moi, fait, j'avais y a pas de texte défilant dans celui-là. Non, parce que c'est justement le texte défilant de l'épisode 4 que vous avez vu. Et comme moi, j'étais pas trop au courant non plus de comment ça s'était passé, parce que j'ai oublié l'épisode 4, je l'ai vu une fois il y a longtemps. Oh. D'accord, donc il a. Il est venu dans ton cul, il a fait. Bonjour. Et en plus, game over. Ok, cette fois, sérieux. Voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé du coup le scénario vachement cool. Je fais, ah ouais, ok, d'accord, les plans de l'étoile noire, tout ça, comment... Parce qu'il y a aussi un gag hyper connu, genre, oh bah franchement, l'étoile noire, elle a été conçue, c'est censé être un truc de guerre, et genre, un petit tir dans le trou là-bas, et hop, tout explose, ouais. C'est la honte et tout. Mais alors là, ça, pour le coup, c'est expliqué. Je suis d'accord, mais je trouve que ça fait un peu genre... Tu sais, le film a été fait pour répondre aux connards qui justement disaient ça, donc ça fait un peu prétexte, si tu veux, j'ai l'impression. Ouais, mais est-ce que c'est grave? Parce que moi, du coup, je suis contente d'avoir une explication qui se tienne, tu vois. Oui, mais enfin une fois de plus, en plus, enfin, tu vois, moi, ce qui m'a un peu déçu aussi, c'est qu'ils avaient quand même Mads Mikkelsen, qui est quand même un monstre de charisme et de... C'est qui déjà? Parce que moi, j'ai du mal avec les noms. Mads Mikkelsen, c'est le papa. Ah oui, Hannibal. Oui, voilà. Ouais. J'allais dire le chiffre, mais ouais, c'est... Et qui pour le coup est un bête d'acteur, un monstre de charisme et tout ça, et il utilise 5 minutes dans le film pour dire 3 phrases et basta quoi. Donc, ouais, c'est sûr, mais bon, d'un côté, je sais pas, moi ça m'a pas choqué. Parce que en fait, quand je regarde un film, j'ai tendance à dissocier acteur, tout ça. Oh là là. Je regarde le film, je me laisse emporter par le film. Et voilà, moi perso, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que le parti pris de la fin était vraiment cool. Ça donnait encore plus d'importance au film, c'était magnifique. Et bon, je vais pas spoiler, mais la scène du couloir. À la fin, j'étais genre, oh mon non, dieu, c'est trop cool! La scène du couloir, moi j'étais vraiment déçu. Parce que... T'es sérieux? Oh putain, j'ai merde, trop écoute, kiffé, vas-y. Non, moi je me casse. Vas-y, casse-toi. Bale. Oh là là là. Bale. Oh putain. Comment il t'a marché dessus, littéralement. Ouais, non, mais en fait, il faut le battre ce mec. Et ce qui est chiant, c'est qu'il faut pas trop reculer parce que sinon après, il repop. Ouais, c'est relou. Ouais. J'aime bien faire du verlan, mais à l'endroit. Du verlan droit. C'est genre c'est chelouche, c'est la te honte, génial. C'est relourd, ça j'adore. C'est qui ce Kamek? Non. Ce Kamek, ouais, ça marche. Non, Kamek, c'est Kamek dans Nintendo, la petite sorcière là, sur son balai. Hein? Kamek, c'est la petite sorcière. Ah, c'est la sorcière tortue, oui, pardon. Ouais, sorcière tortue. Et je me disais, j'essayais de trouver d'où ça venait. Putain, je sais à quoi il me faisait penser le truc qui ressemble à un canard qu'on disait tout à l'heure. Là. Ouais. Ça me fait penser à un Tamagotchi. Il avait exactement la même tête qu'un vieux Tamagotchi. Exactement. Bien vu. Ça se trouve, ça vient de là. Did you know gaming, tu sais. Ah, bah, c'est vous que Tamagotchi, ça. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que... Rogue One, j'ai passé un très bon moment. Et bah, vous savez quoi? Si les gens n'ont pas aimé, bah, ok, ils n'ont pas aimé. C'est et pas, et c'est, moi, ça ne me gâche pas mon plaisir. Non, évidemment. J'ai apprécié. Et j'aime bien discuter avec des gens qui disent « j'ai pas aimé ». Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et puis surtout, qui accepte le fait que j'ai pu aimer. Parce que des fois, des gens qui se font « Non, mais de toute façon, t'as des goûts de merde, c'est de la merde, c'est de la merde. » Ok, bah, cool. Moi, j'ai passé un bon moment, tant pis, quoi. Mais tu vois, le truc, c'est qu'en plus, maintenant, maintenant, tout le monde peut donner son avis, que ce soit par Twitter, par Facebook, puis ils se privent pas, les gens. Tu vois, j'ai l'impression qu'on est passé, une période... Enfin, il y a eu une période où c'est tout le monde donnait son avis, et genre, t'es une grosse merde si t'as pas aimé avec moi. Ouais. Et là, alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est parce que l'algorithme Facebook ou Twitter, il y a de ça, tout ça, aussi, hein. Voilà, il y a de ça aussi. Voilà, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de tolérance. C'est-à-dire que maintenant, c'est genre, t'as pas aimé ce film, bah écoute, moi si, mais bon, je suis prêt à écouter quand même tes arguments en fait, et en débattre. Je pense que tous les deux, dans nos réseaux sociaux, on évolue dans une bulle de plutôt bienveillance. Ouais. Parce que... Ah, flûte. C'est pas le cas partout, quoi. Non, bah, d'ailleurs, oui, t'as vu cette histoire aussi de Babylone 2.0. Ah putain, ça m'énerve. La déprimance. Ça m'énerve tellement parce que je me dis mais ça existe vraiment des connards pareils. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un groupe sur Facebook de mecs qui ont couché avec des meufs, les ont pris en photo à leur insu, diffusent les photos sur un groupe en mode ah, salope, c'est là t'as vu le cul qui est là et machin. Alors que les meufs sont pas au courant, elles se font utiliser leur image, il y a peut-être des mecs qui se branlent dessus, enfin c'est chaud quoi. Franchement moi ça me dégoûte. Non. Ça me dégoûte. Fais-moi pas tomber s'il te plaît, fais-moi pas tomber. Tombe pas. Et comment je fais? Le mec, saut de la foi, j'ai beau le tuer, il repop et tout. Oui,
Continue. Yolo. Oh là là. Mais il fait chier. Oui, continue, non. Il fait chier cette coque de noix. Bon, tu es en game over? Non, c'est bon. Oh, mais trop bien en plus. Oh putain. Mais oui, ce projet, c'est vraiment... Je suis contente que ça soit remonté à la lumière du jour et qu'ils aient pu faire quelque chose contre ça, parce que franchement... Ouais, mais moi, ce dont j'ai... Enfin, tu vois, le problème, c'est que de toute façon, ça existait... Oh, merde. Celui-là, tu vois, il a été plus ou moins démantelé. Mm. Enfin, démantelé. Il est passé... Il est repassé oui, à parce 5000, que c'était sur Facebook. Hein. Ouais. T'as des trucs... je vais pas dire le Darknet pour faire peur, mais... Ah, c'est du one-shot, ça. Mais oui, c'est des pics. Fuck it. Est-ce qu'on va réussir à faire un deuxième boss ou pas? Sinon, on vous montre tous les niveaux et puis vous vous démerdez. Hein, si vous voulez voir la fin, et ben vous jouez chez vous. J'ai envie de mourir. Ah bah non. La manette a été posée. Drop the manette. Bon, écoutez, on va faire un prochain essai, un prochain épisode. On va choisir un niveau, celui qu'on sent bien qu'on a essayé. Si on le réussit, on essaie de continuer. Et si on foire, est-ce qu'on jette l'éponge? Je vais mourir. Ok! Vous avez prévenu la pêche, la super pêche. Et l'abricot. Vous voulez mon smurmunch? Putain. Bon, bah écoute, Olia, si toi t'as la foi pour le prochain épisode, je t'en prie. Ouais. Moi, pour le coup, je vais peut-être. Ouais, j'ai la foi. Et j'ai les foies. En même temps. Ce qui est pas facile à gérer. Comme dirait une grande philosophe de son temps. Dieu m'a donné la foi. Ophélie, si tu nous écoutes. Ouais, ouais. En plus, on est en hiver. Parce que c'est Ophélie Winter. Donc l'hiver. Allez, c'est ma tournée. Tu crois coupe que... ça, coupe. Tu crois que si elle arrive quelque part, on dit Winter is coming. Oh, on va finir sur une blague comme ça, elle est mieux. Hein. J'en ai marre de ma vie. Pourquoi?